Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Bon, le reste là, je connais pas. Hein. Joyeux Noël à tous mes abonnés, joyeux Noël à ceux qui m'aiment, joyeux Noël à ceux qui ne m'aiment pas. Joyeux Noël à ceux qui me comprennent, joyeux Noël à ceux qui ne me comprennent pas. Joyeux Noël à ceux qui me jugent, joyeux Noël à ceux qui ne me jugent pas. C'est votre humble serviteur, je crois que ça fait 2 jours. Je viens encore vous faire cette nouvelle vidéo là. Et c'est une nouvelle vidéo aussi, je sais qu'il va pas plaire à beaucoup, 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 mais qui plaira à un bon nombre quand même. Voilà. Maintenant, je vais me concentrer sur la positivité, sur les bons commentaires, parce que les mauvais commentaires ne finiront jamais, même si je viens de dire, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de grâce et de bénédiction, plein, plein de bonheur dans votre vie. Il y aura toujours des mauvais commentaires. Donc, ceci étant, on peut commencer la vidéo. Mais bien avant de commencer la vidéo, en prélude, j'aimerais bien vous dire qu'hier, j'ai déjà publié le truc, l'image du concert, donc à partir regarder et puis partager pour que les gens sachent un peu comment Debordeaux Likoufa s'exprime en live parce que c'est quelque chose de fort. Moi, sans vous mentir, j'étais là depuis 19h, je suis resté là à attendre mon atelier jusqu'à 1h, 2h et j'ai demandé à prendre la route parce qu'aujourd'hui j'avais beaucoup de choses à faire, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire donc j'ai pas pu rester là jusqu'à la prestation de mon artiste. Mais au moins, beaucoup savent que j'étais là-bas. J'ai fait quelques vidéos directes sur mon Facebook, que les gens ont partagé et tout. Pour vous dire que c'était une très très belle fête. Une très très belle fête. Mais l'organisation, je pense que elle est à critiquer. Voilà. C'est un très bon événement, c'est une très bonne initiative. Mais hein, il y a eu quelques dérapages. Je pense que quand je vais revenir après la Noël pour faire des vidéos, c'est des choses que je vais traiter, c'est des choses qu'on va discuter. Parce que ça, c'est le défaut de l'homme noir. On aime faire attendre pour rien. Voilà. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. En tout cas, au regard du concert live que je vous avais regardé, Debordeaux nous a fait un énorme spectacle. Bref, ceci étant, voilà de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, si vous savez bien, j'avais dit que je ne soutenais pas le concert de Didier Raphat parce qu'il ne le faisait plus avec Debordeaux Likoufa. Voilà. Mais apparemment, je pense que je vais le soutenir parce que il y a trop de méchanceté. Et je dirais, il y a trop de méchanceté au niveau des fans même. Voilà. Moi, les fans d'Arafat, pour ne pas dire ceux qui aiment insulter là, je les connais déjà, ils sont déjà classés. Mais parmi les fans d'Arafat, il y a des gens qui sont bien. Voilà. Il y a des gens qui admirent Debordeaux, qui sont fans de Debordeaux, qui aiment la musique de Debordeaux. Ils ont juste une préférence, ils ont plus, ils ont juste un gros penchant pour DJ Arafat. Donc, c'est pour cette personne-là que je vais commencer à faire des vidéos. Et puis, pour les fans de Debordeaux qui me comprennent. Les amis. Moi, je suis toujours choqué de voir en commentaire sur tous les posts de Didier Arafat, tu vas taper poteau, tu vas taper poteau, tu vas taper poteau. C'est désolant, voilà. C'est vrai qu'on m'appelle le pasteur souvent, comme quoi je suis le mec, j'aime prêcher toujours la bonne parole, j'aime pas faire le méchant. Je sais faire le méchant, j'ai plusieurs fois fait le méchant, et c'est puis chaque fois que je fais le méchant, ça crée le scandale en fait, voilà. Et comme vous savez que moi, j'ai toujours prôné réconciliation et paix, je ne suis pas d'accord avec ce genre de mentalité-là, je ne suis pas d'accord avec ce genre de propos-là, voilà. Bien qu'on ne veut pas aller à son concert, mais pas besoin de souhaiter qu'il fasse un fiasco. Pas besoin. Voilà, pas besoin. Mais avant de développer encore, j'aimerais dire à tous les Chinois, toi tu te fais appeler Chinois, tu passes ton temps de poste en poste à insulter les gens, à répondre aux commentaires, à avoir des propos désobligeants vis-à-vis de tes camarades internautes qui commentent comme toi aussi, qui les insultent. C'est pas de ça qu'il s'agit pour ton artiste. Ce qu'il s'agit pour ton artiste, c'est d'aller payer les tickets là et d'aller à son concert. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ce que j'aimerais souligner avant de continuer ma vidéo parce que on voit bien les fans d'Arafat aussi, pour ne pas dire les faux fans d'Arafat, qui ne savent qu'insulter ceux-là, c'est ceux qui n'auront jamais un conseil de Didier Arafat, ça c'est clair. Voilà. Voilà ce qui m'a choqué aussi. J'ai vu en fait que, c'est pas, je ne m'adresse pas à tous les fans de Bordeaux, hein. J'ai vu en fait que parmi les fans de Bordeaux, il y en a des pires que ceux de Didier Arafat. Honnêtement, c'est pas pour vous vexer, hein, c'est pas pour vous choquer, mais je dis ce que je pense. Voilà. Il y en a des pires que ceux de Didier Arafat. Parce que je pensais que nous les fans de Bordeaux, c'est vrai qu'on n'aime pas fouter, c'est vrai que on n'aime pas se mélanger, qu'on nous trahit. Mais jusqu'à souhaiter le poteau de quelqu'un, franchement, je ne pense pas que ce soit catholique. Voilà, je ne pense pas que ce soit quelque chose de bon.
Et moi, je n'encourage pas ça. Voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, même pour vous dire que si vous voulez, fâchez-vous contre moi, dites ce que vous voulez, comme vous avez l'habitude de dire, que je suis un lâche, je suis un hypocrite, mais je pense que Didier Raphaël mérite de soutien. Parce que mine de rien, il a fallu simplement qu'il se sépare avec Debordeaux de Koufa pour savoir que, bien de même qu'il y a des fans d'Arafat qui n'étaient pas pour cette réconciliation, qui n'étaient pas d'accord avec cette réconciliation, il y en avait aussi du côté de Bordeaux. Et il a fallu cette séparation-là pour qu'on dise Arafat c'est un maudit, on ne veut plus entendre parler de lui, qu'il tape poteau et on le suit en commentaire et tout ça. Il y a un truc qui me gêne, c'est que je vais essayer de vous éclaircir ça, vous expliquer. On est dans un game où toujours on nous insulte. Et vous aussi vous insultez. Mais ça va rien changer. Ça va rien changer. Si vous pensez que c'est dans la division qu'on va voir nos stars progresser, vous blaguez. Voilà. Moi, je ne demande pas à ce que Debordeaux marche avec Didier Arafat. Ça, je ne veux même pas. Mais il ne faut pas qu'il y ait de l'animosité. Et cette animosité-là, je pense bien que c'est nous les fans qui les créons. Parce que nos artistes nous suivent. Ils lisent tous nos commentaires. Quand, par exemple, Debordeaux, qui était fâché, qui a fait des vidéos directes, et même dans son élan de fâcheux, il dit qu'il reste ouvert à toute négociation. Je pense qu'il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de suite. Pas parce que Debordeaux est en erreur, non. C'est quand, par exemple, un organisateur du concert vient lire les commentaires et puis il voit qu'on l'insulte, on insulte Didier Arafat. Ou soit, quand il voit des commentaires comme quoi des Chinois qui disent non, on n'a pas besoin de lui-même pour remplir le coin. C'est tout ça qui crée ça en fait. Voilà. Donc, moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit non. Comme vous souhaitez le poteau de Didier Arafat, moi, je viens demander aux gens d'aller au concert de Didier Arafat. Oui, c'est ce que je viens demander. On me dit tu peux pas être fan d'un artiste et puis faire la promo d'un autre artiste. Ah, les amis, c'est depuis quand ça? C'est où vous avez vu que quand tu es fan d'un artiste, tu dois faire la promotion des autres artistes. Ne sont pas aussi méchants que ça? Mine de rien même. Dans les vidéos d'Eritor, on va dire c'est du 70% des Bordeaux. Pour 30% seulement, c'est comme ça, c'est pour ça que vous m'en voulez là. En tout cas, vous allez vous fatiguer. Parce que j'ai décidé de ne même pas prendre en compte ce genre de commentaires là, ce genre de mentalité là. J'ai décidé de me croire sur vous-même. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ma manière de penser là, il n'y a pas de problème. Abstenez-vous de regarder mes vidéos, il n'y a même pas de problème. Abstenez-vous, il n'y a pas de problème. Parce que je vais beau faire, beau dire, vous ne serez jamais reconnaissant. Donc, fan de Didier Arafat, fan du coupé décalé, si tu penses que Didier Arafat mérite soutien, va et achète ton ticket. Ou bien appelle les numéros qui vont te livrer les tickets. Voilà. Moi, je ne peux jamais souhaiter le poteau de Didier Arafat parce que soi-disant, Debordeaux n'est pas du concert. Je ne peux jamais faire ça. Ne comptez même pas sur moi pour ça. Voilà. Détestez-moi si vous voulez. C'est votre droit. C'est votre cœur. Voilà. Vous êtes libre d'aimer celui que vous voulez, de détester celui que vous voulez. Donc détestez-moi si vous voulez. Mais je ne peux jamais, 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 jamais souhaiter le déclin du concert de Didier Arafat. C'est très méchant de penser comme ça. C'est très mauvais de penser comme ça. Voilà. Tu ne soutiens pas, tu t'éteins, donc tu es dans ton coin, tu te concentres sur. Ton artisme, tu passes à autre chose. Mais bon, ce que j'aimerais savoir aussi, quand Didier Arafat va taper le poteau, ça sera quoi votre satisfaction? Dites-moi un peu en commentaire. Quand Didier Arafat va taper le poteau, ce sera quoi votre satisfaction? Vous aurez des millions? Non. Vous allez juste en rire. Pas toute la vie, mais pour juste une chose, juste quelques jours. Un ou deux jours. Donc, je pense que c'est ridicule de vouloir rester là à conspirer sur le conseil de quelqu'un. Comme s'il n'était pas artiste ivoirien. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, bien qu'il y ait des problèmes, passons à autre chose. Ne restons pas sur ça. Ne restons pas sur ça. Et si je demande aux gens aujourd'hui d'aller au conseil de Didier Arafat, c'est à cause de vous. Si je parle du conseil de Didier Arafat aujourd'hui, du 29 décembre, là, à l'Ivoire Golf, c'est à cause de vous. Parce que moi, je trouve ça. Très méchant, vraiment très très méchant et mauvais de souhaiter son poteau. Dieu là, il bénit en fonction de nos pensées et de nos sentiments. Toi tu dis que tu es le meilleur fan, toi tu es le bon fan. Et puis tu souhaites que
l'artiste d'un autre fan tape poteau. Avec ça, vous voulez que notre Desbordeaux évolue. Avec ça, vous voulez que Desbordeaux, l'Ikoufa évolue. Même Desbordeaux, qui est là, fâché qu'il est, je ne pense même pas un seul instant qu'il désire voir Didier Arafat taper poteau. Je ne pense même pas. Mais vous, vous êtes là. Poteau ici, poteau par là, poteau ici, poteau par là. Mais soyez-en sûrs. Les organisateurs, pour ne pas dire le staff du conseil Didier Arafat, a mis une très belle stratégie en place qui est en train de prendre plus d'un. Vous serez surpris du nombre de personnes au conseil Didier Arafat le 29 décembre. Bon, rendez-vous à moi, je vais juste vous expliquer quelque chose. Au 22, au 22 décembre, on était à 3 300 tickets vendus. Le mec, il attend 20 000. Donc, si vous avez remarqué, il ne s'affole pas. Hein? Il croit. Il croit toujours qu'en 16 jours, ses fans vont acheter les 17 000 tickets qui restent. Non, c'est pour dire de vous réveiller. C'est pour vous dire de vous réveiller. Il vous a juste niqué. Parce que son conseil sera bourré. Son conseil est déjà guiché. Voilà. Moi, je donne toutes les infos en avance. Et puis, on vient m'insulter. Ne souhaitez pas ça, en fait. Ne souhaitez pas ça. Desbordeaux n'est plus du conseil. On a tous pas été contents ici. Ça s'arrête là. La vie continue. Mais ne souhaitez pas le mal à votre frère. Parce que Didier Arafat, c'est un anti-ivoirien. Voilà. Ça, c'était irritant. Je sais que vous allez parler encore comme d'habitude. Mais c'est ce que j'avais envie de vous dire. C'est très méchant de votre part. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un. Vous n'avez pas l'esprit critique que quelqu'un. Mais on laisse juste faire. On expose et puis vous commentez. C'est votre droit. Mais allez jusqu'à souhaiter le mal à ton prochain. Là. Moi, je suis pas comme ça. Ouais, je suis pasteur et puis je suis fier d'être pasteur. Pour ça, je suis très fier d'être pasteur. Donc, les amis, c'était la vidéo d'Hériton aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Je suis sûr qu'elle vous a plu. Partagez-la au maximum. Et sachez que c'était Hériton. À plus, je fais une petite pause.